mes chaussures noires. Personne n'a vu ma ceinture. Oh là là, comment vous faites pour tout le temps perdre vos affaires? Non mais je sais pas, je comprends pas. Je l'ai laissée là hier soir. Quelle idée de laisser traîner des chaussures dans le salon. Excuse-moi, mais j'avais tellement mal aux pieds quand je suis entrée. Et puis après j'ai oublié. Dis donc, si tu vois ma ceinture, tu me l'attrapes. Oui, bah si tu vois ma paire de chaussures, surtout n'hésite pas, hein. Vous êtes comiques toutes les deux. Ah, et ben je suis ravie qu'on te fasse rire, mais c'est pas ça qui m'aide à trouver mes chaussures. Hein? T'as qu'à mettre une autre paire. Non, je ne peux pas. Ce sont les seules qui aillent avec ma robe. Ah, les voilà. Mais Magali, qu'est-ce que tu fais dans mes chaussures? C'est tes chaussures? Bah oui, je les connais quand même. Ah, mais c'est pour ça qu'elle me serrait. Mais tu choisis combien? Du 39. Ah, et ben moi du 37. C'est malin, t'as dû me les élargir. Oh, je suis vraiment désolée. Ah, elles sont pas trop élargies? Non, non, ça va. Avec une bonne grosse paire de chaussettes de ski. Bon, Claire, tu viens? Attends, j'ai toujours pas trouvé ma ceinture. Oh, ma ceinture! Magali, qu'est-ce que tu fais dans ma ceinture? C'est à toi? Oui, figure-toi, c'est à moi. Tu me la rends, s'il te plaît? Ah bah oui, bah, elle traînait, tu comprends. Ah. C'est marrant, c'est la même couleur que mon pantalon. Oh, c'est marrant, c'est la même couleur que le mien. Figure-toi que je l'ai acheté pour ça. Je suis désolée. Dis donc, tu fais très fort, toi, ce matin. Mes chaussures, la ceinture de Claire. Heureusement que pour les soutiens-gorge, tu risques pas de te tromper. J'avoue que... Tu serais pas un peu amoureuse, toi, des fois? Moi? Mais de qui? Oh ben, de Daniel, par exemple. Il est toujours célibataire. Oh, arrête, encore, tu vas pas remettre ça. Vous croyez qu'il va se remettre? Mais oui, il est beau, intelligent, il a une belle situation. Et puis, il a qu'à claquer les doigts pour avoir une fille nouvelle chaque soir dans son lit. Ah, n'est-ce pas, Magali? Oui, bon, peut-être, peut-être, oui. Quoi? Tu n'aimerais pas faire partie de son harem? Voyez, moi... Je me le réserverai bien le samedi soir. T'as pas honte? Pas du tout. Le samedi soir, c'est le soir où je suis le plus en forme. Bon, la question ne se pose pas. Hein? Allez, vous allez être en retard. Oui. Ouais, c'est vrai, t'as raison, la question ne se pose pas. J'ai l'impression qu'on est transparente pour lui. Ouais. Quel dommage que Daniel ne soit pas comme Marc. Oh, m'en parle pas, quel pot de colle celui-là, c'est de pire en pire. Oh, vous êtes méchante. C'est vrai, il est gentil, il fait tout pour nous rendre service. Mais qu'est-ce que tu attends? Vas-y. Il sera tellement content. Qu'elle est bête. Oh, qu'elle est bête. Bon, allez, vous allez être en retard, hein? Allez, donne, va. Attends, je te prends ton carton. Merci. Allez, bonsoir. Ouais. Tu sais que tu devrais changer de métier. Tu fais très bien le porte-manteau. Au revoir, madame porte-manteau. Non. Mais où est-ce que c'est? Allô, oui. Ah, bonjour, Magali. Non, je cherchais un truc qui a disparu. C'est pour ça que je suis un peu énervé. C'est gentil de m'appeler. Le petit déjeuner ensemble? Oui, pourquoi pas? Dans un quart d'heure? Très bien. OK, à tout de suite. Au revoir. OK. Où est-ce que c'est? Avec qui tu parlais au téléphone? Hein? Avec qui tu parlais? Avec une copine. Copine? Oui. La connais? Non, je crois pas. Jolie? Bof. Ah ouais, je vois ce que c'est. Une relation de travail, quoi. Qu'est-ce que t'as perdu? Tu cherches quelque chose? Ben oui. La collection de lingerie que je dois photographier cet après-midi. Ah ouais, la collection de lingerie? Oui. Tu l'aurais pas vue, par hasard? Si. Elle est dans ma chambre.
tu fais avec ma collection de lingerie dans ta chambre? Ben, elle traînait. Ben, moi, je l'ai ramassée. Et pourquoi est-ce que tu l'as amenée dans ta chambre? Ben, pour voir comment c'était fait. Ben, c'est vachement intéressant, hein. Je savais pas que c'était si compliqué, moi, à faire les culottes et les soutiens-gorge. Oh, tu peux me redescendre ma collection tout de suite, parce que j'en ai besoin pour travailler, tu comprends? J'y vais. Pas peine de t'énerver comme ça. Hé. Hey. Ça te rend pas dingue, toi, tripoter des trucs comme ça toute la journée? Non, je suis habitué. C'est comme si tu demandes à un gynécologue si ça le rend pas fou de voir les femmes toutes nues toute la journée, tu vois? Justement. Je me demande comment ils font, moi, les gynécologues. Marc, tu me donnes ma collection. Je dois partir, j'ai rendez-vous. Rendez-vous? Avec qui? Avec le pape pour faire des bulles, ça te va? Tiens, eh, le porte-jartel, sans mode d'emploi, t'es fichu. Hein. Je me demande comment les filles elles font pour mettre un truc pareil. Moi. Bon, je vais le dire à mon client. Alors, à ce soir, Marc. Salut. Oh, salut, beau brun. Salut. Bon, ben, il me reste le beau blond, alors. Salut, Gérard. Qu'est-ce que tu veux? Tu me poses encore la question? Qu'est-ce que tu veux que je fasse, maintenant? J'en sais rien, moi. Ben, voyons, je vais chercher mes serviettes. Celles que tu t'oublies à chaque fois, tous les soirs. Alors, normalement, tu dois en avoir 6. Je vais les chercher. Mmh. Excuse-moi encore une fois, la sortie c'est par là. Eh ben Marc, tu pourrais y penser tout de même, non, parce que ça me faciliterait la vie, moi. Bah qu'est-ce que tu fais? Je les compte. Bah oui, c'est comme ça. On en trouve de jolies choses ici. Donne, c'est à moi. Je vois qu'on s'ennuie pas. Qu'est-ce que tu veux? À chacun ses plaisirs, hein. C'est qui? Une copine. Je la connais. Oui, oui. Attends, laisse-moi deviner. Alors ça... Ah oui. C'est pas la petite grosse avec qui tu étais l'autre jour? Je suis poli, je suis pas avec des petites grosses, moi. Non, c'est à... À Magali. Voilà, t'es content? Magali? Oh, tu veux dire que... Ah bah ouais. Non. Ah si. Attends, mais... Magali et toi... Oh là là! J'ai remonté ses serviettes, hein. Elle va arriver d'un moment à l'autre. Il faut qu'elle voit ici. Je suis sûr que Musclor t'attend. À 9h du matin? Tous les deux, hein? Et vous avez le moral. On est comme ça. Voilà. Excuse-moi. Bonne matinée. Compte sur nous! Je crois que j'ai bluffé, là. Salut Gérard! C'est vous les filles? Alors, on admire Musclor? Non, j'ai regardé comme ça, c'est tout. Attention, tu vas finir par t'user les yeux! Mais qu'est-ce que tu veux? Moi, quand je vois ce beau garçon comme ça, tout costaud, moi, il me fait craquer. Bon, à part ça, ça va? Oui, oui, on est venus se détendre un peu. Oui. Toutes les deux? Sans Magali? Ben non, elle avait un truc à faire. Ah oui, je vois. Qu'est-ce que tu vois? Non, je vois tout à fait le genre de truc que Magali a à faire. Vous savez que c'est une sacrée coquine, celle-là. Hein. Pourquoi tu dis ça? Oh, faites pas les innocentes, hein. Je suis sûr que vous êtes au courant. Au courant de quoi? Bon, je comprends qu'entre filles, vous aimez garder vos petits secrets. Mais tout de même, c'est pas sympa pour moi. Vous savez que je suis différent, tout de même. Vous pouvez me parler. Mais qu'est-ce que tu racontes, Gégé? Magali, en ce moment, elle est très, très occupée. Très occupée à quoi? Hmm? Très occupée à quoi? Mais vous n'êtes pas au courant? Non! Les deux meilleures amies de Magali, vous ne savez rien. Pas nous, excuse-nous. Elle est avec Marc. Avec Marc? Mais oui!
Je vous dis que Magali est avec Marc. Oui, bon, bah d'accord, c'est son droit. Elle devait avoir un truc à lui dire. Un truc à lui dire? Un truc à lui dire? Un truc à lui faire plutôt, oui? À lui faire. Bon, les filles, je vais essayer d'être clair. Vous lisez sur mes lèvres, je vais essayer d'articuler. Bon. Magali, elle... Elle couche avec Marc. Oh. Oh! Comment tu sais ça, toi? Tu étais? Écoute, c'est Marc lui-même qui me l'a dit. Marc? Il dit des choses pareilles? Mais non, il était coincé. Oui, j'ai retrouvé la petite culotte de Magali dans le tas de serviettes que Marc devait me rendre. Oui, oui, oui. Tu as trouvé la... Oui. La petite culotte? Oui, oui, et oui. Oh, bon, les filles, excusez-moi, mais... Non, parce que là, c'est... Non, faut pas que je le loupe, lui. Non, excusez-moi, je... Ah bah si, je m'attendais à ça. Et toi? Oh non, honnêtement. Alors ça, non. Incroyable, quand même. Remarque, ce matin, quand on a parlé de Marc, elle l'a défendu. Ah ouais, ça, c'est vrai. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Elle aurait pu nous en parler, quand même. Oh, puis après tout, c'est son problème. Eh, t'en fais toujours une de moins sur la liste de Daniel. Hey. Oui. Ah, c'est gentil de m'avoir aidé. C'est vrai, vous m'avez sauvé la vie. Avec tous ces paquets, je savais plus comment faire. Remarquez, quand vous achetez, vous y allez pas avec le dos de la cuillère, vous. C'est pas trop lourd, au moins. Non, non, je suis un homme. Ah. Ah là là. Bon. Je sais pas où j'ai mis mes clés. Vous avez perdu? Ben, on peut peut-être aller boire un verre chez moi, alors. Ah, c'est gentil. Ben, je vais sauver, elle doit être là. Hein? Bon. Ah, excuse-moi, j'ai oublié mes clés. Oh, ben, t'as de la chance qu'on soit là. Entrez, Marc, restez pas comme Merci. Ça. Merci. Bonjour. Bonjour. Ah, vous étiez ensemble, tous les deux? Ben oui. Marc m'a aidé à porter mes paquets. Venez où? Ça vous dérange pas de les mettre dans ma chambre? Bah non, je vous suis. Gérard avait raison, elle s'est lancée, la petite Magali. Elle aurait pu nous en parler quand même, quelle cachotière celle-là. Oh, remarque, il n'y a pas de quoi être fière non plus. Elle doit avoir honte. Se rabattre sur Marc parce qu'elle ne peut pas avoir Daniel. Oh, t'exagères, c'est pas mal quand même. Oui, mais bon. T'as remarqué? Il se vouvoie devant nous. Peut-être que dans l'intimité aussi, ça met du piment. Ah, merci beaucoup, Marc. Très gentil. Alors, vous êtes allés faire des courses tous les deux en amoureux? Non, pas du tout. Je l'ai rencontré en bas et il m'a aidé à porter mes paquets. Oh, comme c'est gentil de sa part. Bah, vous savez, en voisin, c'est normal de s'entraider, hein. Bah, voyons. Bon, Claire, tu viens m'aider? On va préparer le dîner. Allô, Claire? Oui, oui, j'arrive. Vous voulez que je vous aide? Non, non, c'est pas la peine. Tiens, compagnie à Marc. Non, mais il faut que j'y aille, moi aussi, hein. Bon, bon, ben merci, Marc. Vous en prie. Vous partez déjà? Ah oui, il faut que j'aille préparer le dîner. Ouvrir des boîtes de conserve, quoi. Des boîtes de conserve, c'est si triste. Ah oui, vous savez, on s'habitue, hein. Mais Magali, pourquoi est-ce qu'on n'inviterait pas Marc à dîner? Oh, mais oui, ça, c'est une bonne idée. M'inviter, moi? Mais oui, 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 elle vous invite à dîner, d'accord? C'est vrai, Magali, vous m'invitez? Bah oui, d'accord, on va dîner tous ensemble. Bah, si vous y tenez tant que ça, d'accord? Pas mal du tout, là. Salut. Salut. Ben dis donc, tu as l'air heureux, toi, ce soir. Ouais. Plus heureux que moi, c'est pas possible. Eh ben, tant mieux. Ça me fait plaisir de te voir comme ça. Ah, là, c'est le top niveau, là. À ce point? Ah, tu peux pas imaginer. Eh ben, comment elle s'appelle? Magali. Magali? Ouais. C'est bizarre, hein. C'est depuis un moment, ça piétinait. J'ai l'impression qu'elle m'ignorait un peu. Comme si je l'ai dérangé. Et tout d'un coup, au moment où je m'y attends pas, ça se déclenche. Mais comment ça? Ben, les deux autres ont dû lui forcer la main. Parce que Magali, elle est un peu sensible, timide. Elle ose rien dire, quoi. Mais elles s'en sont chargées pour elle, hein. Et comment? Elles m'ont invité à dîner ce soir. En insistant sur le fait que ça ferait plaisir à Magali si je venais.
Ah bon? Elles t'ont invité à dîner ce soir? Ouais. Qu'est-ce que t'en dis? Pas mal comme résultat, non? Ben oui, pas mal. Tant mieux pour toi. Ouais, je suis désolé de te dire ça au moment où tu te fais larguer, hein. Enfin, chacun son tour d'être heureux, hein. Oui, chacun son tour, hein. Je t'aurais bien emmené. Mais bon, ça se fait pas trop, quoi. Surtout qu'elles m'ont pas du tout proposé. Mais je te raconterai tout, hein, t'inquiète pas. Tu n'es pas obligé. Ah si, si, si. Ça te changera les idées. Comme ça, t'arrêteras de penser un peu à Cindy, hein. Au fait, elle a pas rappelé? Non. Tu vois, Marc, c'est sympa, hein. J'ai commencé à l'oublier. Excuse-moi. Comment tu me trouves? La chemise? La cravate? Ta veste? Parfait. Y a plus d'eau de toilette, hein. J'étais là-haut dans le tiroir, hein, la bouteille est vide. Bah, il y a un autre dans le tiroir, dans la salle de bain. Je vais en mettre. Super. Oh, bah dis donc, il a de ses cuisses, celui-là. Il a dû disputer les Jeux Olympiques. Bon, le four, je le monte à combien pour le faire rôtir? Pas trop chaud. La dernière fois qu'on en a fait cuire un, restait plus que les os. Mais enfin, Magali. T'as vu tout ce que t'as râpé? On est quatre. À moins que tu aies invité une mêlée de rugbyman en plus. C'est quoi ça, Magali? À quoi tu rêves? Ah, je pensais à quelque chose. Tu es partie longtemps après nous, ce matin? Non. Juste après. Allez, hop, toi. Va te faire bronzer. Et tu n'avais pas un petit rendez-vous? Non. Et vous, votre journée s'est bien passée? Tu ne souffrirais pas d'amnésie. Tu es sûre, tu n'avais pas un petit rendez-vous ce matin? Avec un beau jeune homme? Mais non, pourquoi vous dites ça? Pour rien. Bon, Claire, tu les fais cuire, tes haricots verts? Mais tu vois bien, j'ai pas fini de les écoter. Tiens, tu veux pas aller me chercher la cocotte minute, s'il te plaît? Ouais. Sympa d'avoir invité Marc à dîner ce soir. Peut-être on aurait dû inviter Daniel aussi. Bon, d'accord, j'ai compris. J'ai pris mon petit déjeuner ce matin avec Daniel. Avec qui? Avec Daniel. Attends. Minute, cocotte. Tu viens de nous dire que tu as pris ton petit déjeuner avec Daniel ce matin? Mais de quel droit? Ben, je l'ai appelé comme ça et il m'a invité, c'est tout. Oh, elle t'a invité, c'est tout. Bah oui, je l'ai appelée pour prendre de ses nouvelles. Non, attends, j'ai compris. Elle nous fait marcher. Mais... Magali, arrête. On est au courant pour Marc et toi. Hein? Pour Marc et moi? Mm-hmm. Oui. Gérard nous a tout raconté. Alors, il est comment? Et Gérard vous a raconté quoi? Bah tout. Ton Marc n'a pas su tenir sa langue. Et quand on confie un secret à Gérard, la terre entière est au courant. Qu'est-ce que Marc a raconté à Gérard? Mais tout! Remarque, c'est un petit peu de ta faute. Si tu n'avais pas oublié ta petite culotte. Ah ouais, ma petite culotte. Ma chérie, tu t'en étais pas aperçue. Ah, et Gérard vous a dit ça. Eh ben, c'est ce qu'on va voir. Bah, Magali, où tu vas? Oh là là. Elle a pas l'air contente, notre copine. Bah, remarque, autant qu'elle sache qu'on est au courant. Oui, et que son Marc colporte leurs petites histoires partout. Ça, je dois dire que moi, j'aurais pas apprécié, mais alors pas du tout. Mais c'est ma mère qui avait raison. Faut toujours se méfier des hommes. Oui, mais que veux-tu? Ah. Quand on fait l'amour avec eux, on est bien obligé de les mettre au courant. Doucement, mais c'est fragile. Arrête. Mais qu'est-ce qui se passe? Mal, Magali, vraiment. Mais Magali, enfin, lâche l'oreille de ce pauvre Gérard. Non, je le laisserai quand il nous aura tout raconté. Ça y est, ça doit être lui. Les filles, vous avez bien compris. Oui, oui, ne t'inquiète pas. Il nous reste des neurones quand même. Hé, il s'est sapé. Attends. Bonsoir. Wow. Vous êtes superbe, là.
Oh, et vous aussi? Ah, c'est Noël ou quoi, là? Non, non, c'est seulement pour vous. Pour moi? Oui, ça nous fait tellement plaisir de dîner avec vous. Ah bon? Allez, Marc, venez vous asseoir. Oui, c'est gentil. Vous voulez boire quelque chose? Oui. Un rafraîchissement? Un gin tonic? Avec beaucoup de tonic. Je m'en charge. Vous avez un superbe costume. Ah, il vous plaît? Ouais. Tenez, voilà votre verre. Merci. Oh zut, excusez-moi. Qu'est-ce que je suis maladroite? Non, mais c'est de l'eau, ça tâche pas. Mais si, regardez votre costume. Non, non, ça va aller. Oh, Fanny, faut faire attention. Non, oui, non, mais excusez-moi. C'est rien. Je vais aller chercher de quoi nettoyer votre page. Et moi, un autre verre pour vous. Merci. Du jus de tomate, ça vous ira? Oui, ça tâche moins, oui. Voilà. Oh oh, c'est encore la faute des enfants, ils laissent traîner leurs jouets au milieu. Je suis désolée. Oh, Claire, t'aurais pu faire attention, c'est vrai. Mais c'est pas grave, je vais vous essuyer. Voilà. Ça se voit déjà moins, là. Ah, ben comme ça, ça va beaucoup mieux. Ça y est, j'ai trouvé de l'eau chaude pour vous nettoyer. Enfin, oh, zut. J'ai trompé de l'eau. T'es sûr que c'est ça, l'eau chaude? Désolée. Vous avez vraiment pas de chance avec nous ce soir. Oui. Soyez pas si maladroite, j'aurais juré que vous l'avez fait exprès. Bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes prête? Oui. Daniel, qu'est-ce que tu fais là? Daniel est adorable, il a proposé de nous inviter au restaurant. On vous aurait bien emmené, mais dans cet état. Mais vous inquiétez pas, j'ai un petit cadeau pour vous. Oui, comme ça, vous pourrez raconter plein d'histoires à Gérard. Bonsoir, Marc. Bonsoir,